J'en ai marre de ceux qui dénigrent la VF. Et je vais aujourd'hui vous donner des arguments sur le pourquoi le débat VO vs VF est débile. Et aussi les points positifs et négatifs des deux versions. Plus mon avis perso. Alors c'est parti! VO ne veut pas dire VOSTFR. Déjà, qu'est-ce que vraiment la VO? Comme vous le savez certainement, à part si vous êtes très inculte, la VO est la version originale, que ce soit américain, français, russe, etc. Parfois, c'est utilisé pour voix originale, mais on va y revenir. Mais VO et VOSTFR sont très différents, car VOST veut dire version originale sous-titrée. Je sais que vous le savez certainement, mais je vais mettre les choses dans leur contexte. Donc majoritairement, quand on regarde de la VO, c'est de la VOSTFR. Alors faudrait dire VOSTFR à chaque fois, mais c'est vrai que c'est chiant à dire tout le temps, j'avoue. Alors on abrège une abréviation. Ah là là. On peut très bien dire VOSTFR, c'est bien aussi. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Pourquoi certains préfèrent la VO? Je sais que vous savez tous pourquoi beaucoup préfèrent la VO, car c'est la version originale, avec les vraies voix des acteurs, actrices, etc. Alors qu'en VF, on n'a pas les vraies voix des acteurs, actrices, et donc on ne sait pas si ils, elles savent jouer correctement ou non. Et des fois, les voix françaises dérangent, car elles n'ont pas forcément à l'acteur ou à l'actrice. Comme récemment, je me suis fait un marathon Harry Potter, je vais vous donner un exemple de ces films. Si pour beaucoup, vous avez cru que cette personne était une fille à cause de ça... Et bah moi, je me posais des questions. Mais c'est après avoir vu le 2 et lu le roman que j'ai su que c'était un mec. Ça par contre, je n'accepte pas. C'est un peu un manque de respect pour l'acteur car tu entends que c'est une doubleuse. Et je vous mets l'extrait VO. Et là, on n'a aucune question à se poser. Je vais vous donner un autre exemple aussi, mais par contre, c'est dans un animé. Dans Bleach, je vais pas spoiler particulièrement, alors vous pouvez rester. Quand on nous montre un souvenir de Rukia qui parle à son capitaine, on ne voit pas son visage. On peut pas dire si c'est un homme ou une femme. Mais en VO, ils ont mis ça. Et en VF, c'est ça. Est-ce que tu as songé à son honneur? Si tu lui donnes ta force maintenant, il aura probablement la vie sauve. Seulement, en agissant de la sorte, cela aura pour effet de bafouer son honneur à tout jamais. Alors écoute bien ceci et souviens-t'en. Il existe deux sortes de combats. Deux sortes entre lesquelles nous devrons toujours faire la différence. La première a pour but de défendre la vie. Et la seconde n'est autre que la défense de l'honneur. Alors que plus tard, dans l'œuvre, on voit ce personnage et c'est bien un homme. Alors quand tu te remates l'animé en VF et que tu passes par cette scène, ça te fait rire mais en même temps, ça te dérange. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, passons. Il y a aussi le problème de traduction. Par exemple, prenons cet extrait de Avengers Endgame en VO sans sous-titres. Let's go get this son of a bitch. Puis l'extrait VF. On va aller se faire se fumer. Je peux comprendre qu'on préfère la VO par rapport à ça, car c'est vrai que parfois, la VF censure des trucs, comme c'était le cas avec des anciens animés. Mais pour ça, on y reviendra plus tard. Pour revenir à la traduction, il y avait encore ce problème-là dans les années 2000, comme par exemple la série Smallville. Et il y a aussi dans la VF de Doom Patrol avec ça. Dis bien joué. Allez, dis-le. Dis bien joué. C'est ton expression préférée. Grid, ça m'arrive de dire. Bien joué. Tu as dit bien joué exactement 31 fois depuis ton accident, ce qui est énorme même pour une expression préférée. Non, en plus, il y a la vraie expression juste à côté, c'est pas compliqué. Là, oui, c'est de la merde et ça a été rectifié par la suite. Mais bon, c'est pas une raison pour dénigrer la VF. Moi aussi, des fois, ça me saoule les noms de super-héros traduits, mais bon, quand les voix sont bien, ça me va. Même si je n'accepte pas. Ce que je trouve mauvais aussi en traduction, c'est ça. Batgirls. Ça, c'est de la merde, par contre. Et je vais peut-être en parler un de ces jours de cette série. Les animations n'ont pas de VO. Oui, vous avez bien lu. Il n'y a pas de voix originale pour de l'animation. On peut parler de version originale, car cet animé vient de tel endroit. Mais faut arrêter de dire « les voix sont mieux en VO ». Enfin, il y a des exceptions. Lui, empereur. Ce nabo prépubère, c'est fini. Moi je suis bien placé pour parler, je regarde toujours les deux versions d'un animé. Mais pour le cas One Piece, on en reparlera sur ma chaîne manga. Alors faut arrêter de dire la VO c'est mieux quand on parle d'animation. Car les persos n'ont pas de voix. On peut comparer la façon de doubler entre les deux doubleurs, mais ils font le même taf.
Peut-être qu'il y en a un ou une qui va jouer mieux que l'autre, ou une voix est plus appropriée, etc. Pour l'animation, c'est pas forcément le cas. En plus, on a des animés qui viennent de France, comme Wakfu, et c'est génial cet animé. Et on a des dessins animés doublés aussi, et ils sont très bien. On peut faire plusieurs comparaisons, mais il faut arrêter de dire la VO c'est mieux. Les anciennes VF. J'ai l'impression aussi que beaucoup se tournent vers la VO par rapport aux anciennes VF, comme par exemple Dragon Ball, qui avait d'excellentes voix, mais les textes c'était... bof. Je sens que je ne vais pas m'amuser, moi. Et bah, beaucoup sont traumatisés par ça. Mais depuis, les temps ont changé. Maintenant, la VF est beaucoup mieux qu'avant. Je vais vous mettre un extrait de Dragon Ball Z de l'époque, puis un de DBZ Kai qui a été fait récemment. Coucou, maman! Qu'est-ce que c'est? Tu ne vas pas recommencer, Chichi! Mets-toi à l'abri! À cause de toi, j'ai perdu mon fils et je te conseille de le faire revenir! Je n'ai plus que lui et Son Goten, rends-le-moi! Mais c'est maman! Quoi? Oh non, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est folle! Bon, tu as tué mon fils Gohan, mais tu ne t'en tireras pas aussi facilement! Ramène-le ou bien on te tuera! Je pense qu'avant, la VF était beaucoup censurée et modifiée car le public visé était les enfants, alors que les mangas en général étaient adressés à un large public. Et ils ont modifié les noms pour faire plus français car... je sais pas en fait. Ça c'est très con par contre. Oui, mais les enfants ne vont pas bien prononcer son nom et ne vont pas comprendre, alors on modifie Tsubasa Ozora par Olivier Hatton, ça sera bon. Et pour les autres personnages, on fait comment? Là, on va devoir réfléchir les gens. Franchement, ils ont dû se casser la tête pour des trucs inutiles. Même les titres étaient modifiés. Heureusement qu'on a eu un anime récent de Captain Tsubasa et des films récents pour City Hunter. Bon là, je critique l'ancienne VF de l'animation, mais c'était quasi pareil avec le live action. Mais sauf qu'avec ce dernier, pour beaucoup de séries, on avait de la bonne VF, du bon jeu, comme Friends par exemple. Alors c'était moins répandu, mais quand même là. Les sous-titres. Quand on regarde un film ou un animé en VO/STFR, on lit ce qu'il y a écrit pour comprendre, quitte à que ce soit mal écrit. Oui, mais quand les épisodes sortent, ceux qui traduisent n'ont pas trop le temps, alors ils font ça vite. Qui leur dit de se presser? La plupart du temps, on regarde en VO/STFR car les épisodes sont là en avance et on n'a pas envie d'attendre un an environ pour la VF. Et comme ce n'est pas dispo en France, ce sont des fans qui traduisent. Des fois c'est très bien, comme la série Harley Quinn, et bah des fois, ça se voit que c'est du travail d'amateur. Pas que ça me dérange, et en plus, je suis mal placé pour parler. Mais des fois, je vais reprendre l'exemple de One Piece, on se retrouve avec ça. Mugiwara, Nakama, etc. Et maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais beaucoup de gens sont corrompus par ça et vont répéter cette connerie. Ce qu'il y a écrit ne veut rien dire, c'est juste la prononciation qui est écrite. On ne dit pas Mugiwara, mais chapeau de paille, pas Nakama, mais compagnon, ami ou un synonyme, pas Yonko, mais quatre empereurs, pas Akuma no Mi, mais fruit du démon. Ils le disent comme ça en japonais, car ça se dit comme ça, tout simplement. Bientôt, on va traduire petit déjeuner par breakfast, mais sérieusement. Ce matin, j'ai pris mon breakfast. Après, tu peux dire ça pour délirer, mais pas sérieusement. Mais bon, ce n'est pas le seul problème des sous-titres. La concentration et l'intérêt. On n'aura pas la même concentration et le même intérêt quand on lit les sous-titres, car on passe plus notre temps à lire qu'à écouter. On entend, mais on n'écoute pas. Je sais que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, moi y compris, mais c'est une réalité. D'une, on se fatigue plus à lire des sous-titres, et la plupart du temps, on oublie la seconde d'après. Par exemple, une série comme Swamp Thing est plus agréable à écouter qu'à lire des sous-titres. J'ai regardé la série en VO/STFR, je trouvais que ça avançait lentement, alors qu'avec la VF, c'est beaucoup plus agréable. Même en VO pur, c'est mieux. Même en étant habitué à de la VO/STFR, on aura toujours au moins une microseconde de retard en lisant les sous-titres, puis regarder. Et pour de la meilleure traduction, pour les sous-titres, ADN ou Crunchyroll sont très bien. Mais je ne dénigre pas ceux qui font les sous-titres en tant que bénévoles, car sans eux, on n'aurait pas les épisodes en quasi-simultané avec le pays d'origine. Et ça demande du boulot. Mais il faut quand même comprendre que quand ils écrivent les sous-titres, c'est souvent à la va-vite et que l'on se retrouve avec des Mugiwara ou autres. La différence d'accent, ça va être un petit point, car forcément, on n'a pas le même accent. En français, on dit un t-shirt et en anglais, on dit un t-shirt. Je sais, mon accent est parfait. Mais des fois, il y a des limites. L'exemple que je vais prendre, c'est Naruto. La première fois qu'on entend Naruto utiliser le Rasengan en VF, Carol Baylen ne fait pas l'accent, mais ça, ce n'est pas un problème. Quand elle dit Kurama au lieu de Kurama, ce n'est pas un problème. Mais ce qui va suivre, si. Sasuke, je te demande de relâcher les bijoux.
Non, c'était simple pourtant, tu dis bijou et non bijou. Ils auraient dû garder les démons à queue, c'était très bien comme ça. J'ai pris l'exemple de Carol Baelen qui double Naruto, mais c'est pas la seule à le dire. Il me suffira de manipuler les bijoux qui sont sous mon influence. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'accent, ça me rappelle au début de Naruto quand il disait... Sasuke Uchiwa. Heureusement que ça a été corrigé par la suite. Tu me fais penser regretter Madara Uchiwa. Bon, ils ont refait l'erreur là, mais ça a été corrigé ensuite. Mais je crois que le nom original c'est bien Uchiha, car je sais qu'en japonais ça se prononce comme ça. J'irai me renseigner pendant le montage. Plus professionnel au Japon, là on va se concentrer sur les animés japonais. Oui c'est vrai, ils sont plus professionnels au Japon, car le doublage c'est vu autrement là-bas. Quand un comédien ou une comédienne de doublage est engagé pour une voix, il ou elle ne la quitte que quand il ou elle meurt ou quand elle se fait virer. Mais en France c'est différent. Tu peux passer d'une saison à l'autre en changeant la voix des personnages. C'est ce qui est arrivé à One Piece d'ailleurs, plusieurs fois. Je t'en prie, c'est avec plaisir, Capitaine Luffy. C'est la vie, mon brave. Rien ni personne n'y peut quoi que ce soit. Blâmez donc le destin qui m'a placé sur votre route. Ah mais de rien, c'est un plaisir, mon cher capitaine. Mais la VF de One Piece, je vais en faire une vidéo dédiée sur ma chaîne manga. L'exemple que je peux aussi vous donner, même si ce n'est pas japonais, c'est The Clone Wars. On a les persos qui ont telle voix dans les 4 premières saisons, puis aux saisons 5 et 6, on change comme ça. Star Wars, The Clone Wars. Star Wars, The Clone Wars. Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Et à la saison 7, le casting de base est revenu. Et des fois, ça changeait dans la saison même, mais c'était pour Yoda. Mais bon, après, je ne sais pas comment ça se passe dans les studios de doublage, alors je ne peux pas trop critiquer. Mais bon, des fois, c'est chelou. En France, le doublage est sous-estimé. Alors que c'est notre pays qui a les meilleurs moyens de doublage avant les États-Unis, etc. Pour le Japon, ils sont forts, car ils n'ont pas les mêmes moyens de doublage. Car en France, on peut le ressentir, ce manque de respect. On sait reconnaître un bon doubleur quand on l'entend. Par exemple, moi, je double pas très bien, vous avez dû le voir dans ma seule vidéo de doublage. Mais c'est vrai que des fois, ils prennent des gens qui ont rien à voir, comme des footballeurs, des présentateurs, des youtubeurs, etc. Et ça décrédibilise la VF. Par exemple, pour le bouffon vert dans Spider-Man New Generation, c'était Olivier Giroud qui le doublait. Pourquoi tu n'abandonnes pas ? D'une, on le reconnaît pas, car la voix est modifiée, et de deux, il a rien à faire là, c'est pas son métier. Le doublage, c'est compliqué, t'apprends pas ça comme ça. Des fois, ils prennent des acteurs, mais le doublage et l'acting face caméra, c'est pas pareil. Des fois, il y en a qui savent vraiment bien jouer, je parle bien évidemment des acteurs, mais d'autres non. Par exemple, Jamel Debbouze joue mieux dans Toy Story 4 que dans Le Roi Lion. Oh, tu vas descendre à toutes pattes ! J'ai une idée ? Et s'il était de l'autre côté ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, ça m'énerve quand ils font ces choix, car c'est juste pour faire de la pub. Alors qu'on a de très bons doubleurs et de très bonnes doubleuses. Ils ont fait pareil pour Playmobil le film, alors que le film, c'est plus du live action. Bon, entre guillemets. Mais bon, pour Spider-Man, j'ai pas compris. Ils croyaient vraiment que ça allait pas faire d'entrée en France ? Du moment qu'il y a écrit Spider-Man, c'était sûr que ça allait marcher. Ah là là... Sur ce, je vais conclure la vidéo. Quand on est français, on privilégie la VF. Et si ça n'existe pas en VF, bah pas le choix, on regarde en VO. Je ne dis pas que l'un ou l'autre doit disparaître, mais ça m'énerve d'entendre des critiques sur la VF alors que ça en a jamais regardé ou très peu. On a tous regardé des dessins animés quand on était gamin, et c'était en VF. En vrai, un peu de VO nous aurait aidé pour comprendre une autre langue, mais passons. Quand un film, une série ou un animé est fait, ce n'est pas pour lire des sous-titres. C'est fait pour regarder et écouter. Venez pas me dire « Oui, mais les sourds et malentendants, ils font comment ?» Bah déjà, eux, ils s'en fichent que ce soit en VO ou en VF, car ils entendent pas bien ou pas du tout. C'est d'ailleurs très bien qu'il y ait des sous-titres. Par exemple, moi, récemment, j'ai recommencé One Piece en Kai en VO, car la VF m'a déçu dernièrement, même si je ne vais pas m'arrêter de regarder comme ça. Mais j'étais curieux de regarder l'anime en VO-STFR. Mais la VO-STFR devrait nous pousser à apprendre la langue pour ensuite regarder en VO pour mieux comprendre et suivre l'intrigue. Des fois, l'avantage de la VF, c'est que quand un acteur ou une actrice joue mal, en VF, tu l'entends pas, à part si le doubleur ou la doubleuse joue mal aussi. Mais c'est rarement le cas. La VO-STFR et la VF ont des qualités comme des défauts. Les défauts et qualités de la VO-STFR. Pour les défauts de la VO-STFR, j'ai mis ça, et pour la qualité, j'ai mis ça. Les qualités et défauts de la VF. Pour la VF, je lui ai donné tout ça de défaut, et pour les qualités, j'ai mis ça. Regardez dans la version que vous voulez. Mais tout ce que je dis là, c'est objectif. Mais ça ne va pas m'empêcher de regarder des animés en VO-STFR, mais je privilégie la VF. De toute façon, moi, je regarde les deux versions, alors je suis un des mieux placés pour en parler. En plus, dans l'animation, on a de bonnes VF comme Fairy Tail, Naruto, Bleach, SNK, et je vais t'en citer plein des comme ça. Alors arrêtez tout le temps de défoncer la VF parce que ça fait bizarre. Oui, quand une VF de Dr. Stone sortira, ça va me faire bizarre, mais ce ne sera pas mauvais pour autant. Je vais juger sur le jeu de doublage et si les voix vont bien au perso. Ceux qui critiquent la VF, arrêtez, car c'est vraiment saoulant et vous insultez des très bons doubleurs qui font du super taf. Je sais que je vais me faire défoncer dans les commentaires par des abrutis qui disent « Oh,
la VF c'est de la merde et sans argument. Mais bon, il y a des cons partout. Ça m'intéresserait de savoir si vous regardez des animes, films, séries en VO ou en VF ou les deux avec des arguments. Les commentaires sont là pour ça. Et sur ce, je vais arrêter la vidéo ici. Comme d'habitude, si vous avez aimé, lâchez un max de pouces bleus et partagez la vidéo. Si vous êtes nouveau et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description. Vous pouvez aussi venir me soutenir sur Utip et Tipeee. Ma chaîne manga est aussi dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on n'oublie pas, le cinéma, les séries et les animés, c'est la vie. Allez, salut !